Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là pour retrouver Sandrine Colette. Je dis retrouver parce que c'est la troisième fois que tu nous fais l'honneur d'être parmi nous et de nous présenter ton huitième roman. Je dis roman parce qu'en effet, peut-être que les lecteurs ne s'en rendent peut-être pas compte parce qu'ils lisent Sandrine Colette, le nouveau Sandrine Colette, mais tu as changé aussi d'éditeur. Et je voulais savoir, puisque tu viens du monde du polar, plutôt, tu étais estampillé ainsi, donc tu étais venu pour Un vent de sang en 2014 et pour... juste après la vague en 2018, la dernière fois, que nous avons beaucoup, beaucoup aimé, quoi, et nous sommes ravis de te recevoir parce que depuis 2012, depuis Des nœuds d'acier qui nous avait scotché, qui était un roman coup de poing, c'est vrai qu'on attend avec impatience le nouveau Sandrine Colette, justement. Et donc, on est ravis de te recevoir. Et donc, je voulais te demander justement si, avec ce Et toujours les forêts, ce huitième roman, ça opérait un tournant chez toi, ou est-ce que ça ne change pas le fait d'être publié sous l'étiquette maintenant roman, ou est-ce que justement ça te recentre par rapport à ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu écris, ce que tu aimes écrire? Non, je pense que c'est l'étiquette qui m'a rattrapée, assez justement d'ailleurs. C'est que ça fait plusieurs années que je fais pas de polar, et ça induit toujours quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que les lecteurs de romans de Blanche passent à côté. Pour certains, parce qu'ils ne veulent pas lire de polar, et les libraires ont beau leur dire « mais ce n'est pas du polar, c'est sur la table des polars », et donc ils n'en veulent pas. Et puis il y a des lecteurs de polar qui venaient me voir en me disant « mais je suis perplexe quand même, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête, ce n'est pas du polar ». Donc vous avez l'impression d'être rien du tout. Inclassable, atypique. Oui, enfin sur le fil, voilà, entre les genres, et depuis... Oui, sans étiquette, voilà, comme d'autres. Et depuis 2016, je pense que c'est de moins en moins rattachable au polar, effectivement. Et je pense que la thèse a eu vraiment la bonne idée, réellement, de le passer en littérature, pour cette espèce de double handicap que les polars 2 me disent « c'est pas du polar », et que les lecteurs de romans se disent « non, c'est du polar, je vais pas le lire ». Donc voilà. Et pour moi, ça change rien, puisque j'écris la même chose. En fait, j'écris ce que j'aime. Donc je crois que là-dessus, on ne peut pas aller contre nature, donc je reste vraiment là-dessus. C'est simplement que je pense que malgré tout, l'étiquette, qui est très généraliste en roman, est mieux adaptée. Et c'est vrai que tu avais obtenu le Grand Prix de littérature policière pour Les nœuds d'acier, pour le premier, qui était un cas assez rare dans le monde des prix, quoi. Un premier roman récompensé, bam, Grand Prix de littérature policière, rien que ça. Donc c'est vrai que ça mettait la barre haut, mais c'est vrai qu'à chaque fois tu proposes un univers différent, et ce côté en effet atypique. À chaque fois, c'est un voyage à la fois dans des pays que tu ne visites pas apparemment, puisque tu nous avais confié, je me rappelle la dernière fois, que tu avais une peur phobique de l'avion. Tu lis pas de polar parce que ça te fait trop peur, en effet aussi. donc tu n'aimes pas l'eau alors que tu as fait juste après là-bas qui est ce tsunami. Donc c'est vrai que tu te mets à rude épreuve pour écrire à chaque fois des romans. On peut dire que tu te ménages pas avant de ne pas ménager ton lecteur. Oui, c'est la moindre des choses quand même que j'attire les lecteurs dans les mêmes affres que moi. Mais non, je ne sais pas, peut-être que... je l'avais peut-être dit pour Juste après la vague. En fait, quand j'ai trouvé pour Juste après la vague, qui est en phobique de l'eau, ça m'avait aidé à écrire. Puisque quand on a peur, on ressent cette peur-là. Et après, il suffit de la transcrire pour écrire le roman. Alors que si j'adorais l'eau, je me dis qu'il y aurait une distance différente. Et donc, c'était plutôt un atout. Après, j'ai espéré un certain temps que ça soit un peu cathartique, mais j'ai toujours aussi peur de l'eau, donc ça n'arrange rien de ce point de vue-là. Et c'est pas à rude épreuve, je trouve que vraiment, je pense que ce sont des univers, soit qui me font peur très directement comme l'eau, parce que c'est une peur tout à fait personnelle. Je sais pas si j'avais expliqué du coup en 2018 que j'avais aussi des excuses. Parce que familialement, on dit mon arrière-grand-père ne prenait pas un bain sans que sa femme lui tienne la main, tellement il avait peur de l'eau. Donc, j'ai des excuses, ou je peux faire une thérapie, mais finalement, voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc, en fait, c'est une autre façon de voir, c'est d'essayer de prendre quelque chose de très négatif et essayer d'en faire quelque chose, finalement, de constructif. Et ça m'aide beaucoup pour les romans.
comme tu as rappelé avec beaucoup de gentillesse, j'ai peur de tout. Oui, tout. Oui. Enfin, je suis très angoissée, dirais-je. La neige, oui, dans Six Fourmis Blanches. D'ailleurs, j'avais projeté des choses comme ça. Imaginer d'être perdu dans une tempête avec plus de repères. On voit déjà quand on est simplement, nous, dans le brouillard, quand on ne se rend plus compte des distances, on ne se rend plus compte des... Voilà, on a l'impression d'être plus loin qu'on est, etc. Et je trouve que c'est intéressant de retranscrire toutes ces angoisses qui vous viennent à ce moment-là. Alors, moi, je rentre dans tes livres avec les titres et toujours les forêts. Alors, c'est vrai qu'à d'avoir lu les sept précédents, on voit la continuité, bien entendu, la nature qui est bien entendu omniprésente, omnipotente, presque au-dessus de l'homme. donc, le titre ne nous étonne pas, mais les forêts avec un F majuscule. Mmh. C'est ce F majuscule, moi, qui m'a fait rentrer dans cet imaginaire-là que tu proposes. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces forêts avec ce F majuscule ? C'est peut-être beaucoup plus bête que ce qu'on imagine, mais les forêts avec un F majuscule, d'abord, je n'ai pas situé ce roman-là, parce qu'il n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qui... C'est un pas devant la réalité, voire plusieurs pas, ça serait pas mal. C'est une action qui n'a pas pu se passer, qui ne peut pas se passer, qui est complètement irréel. Et donc, je ne voulais pas situer en disant, par exemple, Paris, Bordeaux. Et donc, les forêts, c'est la façon de signifier cette espèce... Alors, c'est aussi, comme tu parles de nature, de personnifier un endroit qui serait à la fois un lieu de vie, un village, et la nature avec un grand N dans toute son essence, c'est-à-dire toute sa force. Et là où, puisque le livre va là-dessus, où sans doute seule la vie peut repartir. Et ce que je mets dedans, les forêts, évidemment, c'est toute la force de cette nature-là, qui est une force destructrice, mais qui est aussi une force de vie, puisque quand tu dis que la nature est peut-être même au-dessus de l'homme, moi j'enlèverais le peut-être même. Effectivement, c'est une fois qu'on voit bien quand la nature se déchaîne, quand la nature reprend, il n'y a absolument rien à faire. Et c'est éventuellement même pas prévisible. Enfin voilà, on est complètement sous le joug de cette force-là. Et donc dans cette nature, dans ces forêts, il y a des personnages à chaque fois avec des histoires incroyables. Alors là, ça s'ouvre avec une histoire d'une malédiction, justement. Tu parlais de malédiction familiale, mais de malédiction, c'est un enfant maudit dont on n'a pas le prénom tout de suite, non. Justement. Mmh. C'est le petit-o, c'est le mom, c'est un enfant qui n'est pas désiré du tout. Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion ? Quelle a été la première... comment tu es rentrée dans cette histoire-là de Corentin, puisque c'est un petit être au départ qui va bien grandir, puisque c'est une sorte aussi de roman d'apprentissage, toujours les forêts. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce personnage à chaque fois unique ? Et là aussi, d'autant plus unique qu'il est au début non désiré, un peu comme pas mal d'êtres dans tes autres romans aussi, quand on pense à Il reste à la poussière, avec cette histoire d'enfant maltraité, de mère non aimante. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Voilà, donc quelque chose qui commence en effet dans la noirceur. Mm-hmm. Là, l'histoire de Corentin, en fait, c'est toujours pareil. Il suffit de regarder au coin de la rue, je dirais. Pour le coup, je me suis inspirée de l'histoire de quelqu'un que j'ai très bien connu, qui m'a raconté sa vie, qui est mort aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je m'étais dit, quelque part, il faudra que, je ne sais pas, sous forme de souvenirs, de mémoire, d'hommage, de ce qu'on veut, et de manière complètement anonyme, je voulais retranscrire à un moment quelque chose de sa vie. Et il a vécu ça. C'est-à-dire que c'est un petit bébé dont on ne voulait pas. Pas de père, comme on dit. Et puis une mère qui n'en voulait pas. Et vraiment abandonné de famille en famille, chez des amis, vous savez. On a l'impression que ce n'est pas possible, mais si. Sa mère l'a laissé chez une amie, qui avait elle-même un enfant ou deux, en disant, je reviens le chercher, j'ai du travail ou quelque chose, je reviens le chercher dans 2-3 jours, et puis elle n'est jamais revenue. Et si ça a été des coups de fil, etc. Et elle est revenue le chercher au bout de 2 mois ou de 3 mois, parfois au bout de plus longtemps que ça. Et donc ce petit gamin a été ballotté les premières années de sa vie.
réellement avec ce sentiment qu'il a gardé toute sa vie, que sa mère ne voulait pas qu'il soit heureux. Et qu'à chaque moment où il était dans une famille où ça aurait pu aller, où on aurait pu s'occuper de lui, elle venait le rechercher. Au moment où il commençait à être bien, pour l'emmener ailleurs, pour l'emmener en rupture, etc. Et bon, c'est une forme de... c'est un souvenir. Et ce petit être, donc, Corentin, qui va vivre malgré tout, qui va s'accrocher à la vie, qui va s'accrocher aux entrailles de Marie, de sa mère, il va avoir un destin totalement, totalement incroyable, parce qu'au début, on commence par un drame familial, oui. Mais après, il y a un moment de bascule, presque, où on est dans un autre roman. On commence avec lui, on commence avec sa tragédie, on commence dans la grande ville, on n'est pas du tout dans les forêts, et après, petit à petit, ça va dériver vers autre chose. C'était aussi déjà programmé à l'avance, ce moment de revirement dans les forêts. Oui et non, c'était... en fait, j'avais envie d'écrire l'histoire de Corentin. Effectivement, je vois bien cet effet de rupture, parce que c'est le moment où, dans le livre, je me suis dit, mais si je prends juste mon personnage, même avec une enfance très compliquée, une vie compliquée après, qu'est-ce que le roman a de réellement fort, de réellement puissant, d'original, ou qui fasse écho à ce que je ressens moi? Rien. Et donc je me suis dit à ce moment-là, ben Corentin, il commence mal sa vie. Et si c'était à la fois un roman de résilience et à la fois le roman du malheur poussé jusqu'à son extrême acceptation. Et donc j'ai décidé de le mettre dans un contexte, comme tu dis, un contexte extraordinaire, puisque tout le monde s'effondre autour de lui. Pour pousser, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, pour pousser au bout hein, les personnages, c'est-à-dire les mettre dans des situations où de toute façon on ne peut plus faire marche arrière, et on va voir ce qu'ils deviennent au moment où ils ont le couteau sous la gorge. Et voilà, l'idée c'était pas de pas tomber dans une espèce de facilité en disant écrire une vie qui est compliquée, et puis ça, il va bien finir, et il se mariera, il y aura beaucoup d'enfants. Mmh. Parce qu'en plus ça colle pas avec... avec ma méchanceté naturelle. voilà, donc on est quand même toujours dans le roman noir, quoi, au départ. Oui, on est dans le roman sombre, en tout cas. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Mais toi, de la même façon que David Vann ou Ron Rash sont classés en littérature, alors que c'est épouvantable. Quoi. Mmh. Enfin, ça peut... Oui, c'est, oui. Voilà, il y a des choses terribles de cette façon-là. Et puis, je voulais un livre aussi qui fasse écho... moi, j'aime bien quand ça me fait bouger, moi, hein, aussi. Donc, il fasse écho soit à des angoisses, des préoccupations, etc. Et donc, passer la neige et passer l'océan, je me suis dit, mais aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose, puisque le déclic du livre tient à une anecdote vraiment minuscule, qui sont les mantes religieuses que je mentionne dedans. Puisque dans ma campagne, donc, qui est le Morvan, on n'avait jamais vu de mantes religieuses jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis, il y a 2-3 ans, elles sont arrivées dans les jardins. Et j'en ai parlé avec un voisin qui est un grand jardinier, il fait ses greffes lui-même, voilà, un grand passionné, écolo et tout ça, et qui m'expliquait que si les mantes religieuses étaient là aujourd'hui, c'est parce qu'il faisait trop chaud dans le sud où elles vivaient d'habitude, et que donc elles remontaient, et que les insectes sont traditionnellement les premiers lanceurs d'alerte de n'importe quel changement en profondeur. Et en l'écoutant, j'ai trouvé ça fascinant et terrorisant. Parce que je me suis dit, voilà, il y a des bêtes qui sont en train de sentir quelque chose. Et c'est pour ça que je suis partie et que le livre, à ce moment-là, a continué avec l'histoire de Corentin, mais en basculant sur cette préoccupation-là. Je pense que ça montre la fausse piste du départ. Voilà. C'est ça. Et on bascule. C'est ça, la fausse piste, parce qu'on est, le lecteur est presque trompé, parce qu'il est tellement focalisé sur Corentin et sa solitude, son extrême souffrance, que presque le lecteur est lui-même inconscient de ce qui se passe autour. Oui. Autour. Oui, et pourtant, il y a des petites phrases, voilà, mais on passe à côté. Oui, tout à fait. Il y a des petites phrases, et c'est vrai qu'on ne voit pas du tout la chose arriver. Et c'est la chose, je dis de façon sciemment la chose, parce que c'est le mot que tu emploies. Oui. Alors, d'abord, Corentin, il va être plus seul à un moment. Il va y avoir une rencontre, enfin, du moins un retour vers les forêts, parce que donc sa mère,
qui le ballottait de maison en maison dans la grande ville, puisque c'est le contraste que tu fais entre les forêts et la grande ville. Elle aime pas du tout les forêts, justement. Elle aime pas du tout la nature. Elle va presque le punir, et pour punir son arrière-grand-mère, cette arrière-grand-mère l'avait chassé Marie qui était enceinte, donc elle va l'abandonner à cette arrière-grand-mère Augustine. Donc alors qu'il est Corentin, quoi, 3-5 ans, 4-5 ans, oui. Et donc en fait il faut dire aussi donc que Corentin va être pour le coup choqué là aussi de cette rencontre, et mais en fait finalement il ne va plus être seul. Oui, ben, c'est-à-dire au moment où effectivement sa mère l'abandonne, mais l'abandonne comme on abandonne un chien. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'elle elle l'emmène en voiture dans ces forêts qu'elle déteste, qu'il ne connaît pas lui encore. Oui. Et puis elle le fait descendre de voiture au virage d'avant. En lui donnant une lettre. Oui, en lui donnant une lettre en disant « tu prends le chemin, tu vas voir, et derrière le virage, il y aura une maison, et dans la maison, il y aura une vieille dame, et la vieille dame, tu lui donnes cette lettre-là, et puis elle attend qu'il parte ». Elle est obligée de le... Bon, il a 4 ou 5 ans, je veux dire que c'est dire qu'au bout de quelques mètres, il se retourne en se disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et elle lui parle comme un chien à ce moment-là pour qu'il parte vraiment. Donc de saisissement, il y va et elle s'enfuit en voiture et il ne la reverra jamais. Donc elle l'abandonne complètement à ce moment-là. Cette arrière-grand-mère, donc ils ont 70 ans d'écart. Et ça le terrorise, quoi. Il ne la connaît pas. Elle a été élevée à la trique, comme elle va l'élever lui. Elle n'est pas drôle. Et puis, elle ne sait pas jouer. Enfin, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et donc, on a le sentiment que c'est la énième scène qui se répète, mais finalement, ils vont s'apprivoiser tous les deux. Et c'est le début de ce qui va donner de la force à Corentin. Et de la force, il va lui en falloir après. Oui, parce que c'est une forme de douceur là, qu'il va rencontrer, enfin. De douceur très abrupte, mais oui. Oui, d'amour en tout cas. Oui, voilà, d'amour, le premier lien, un premier lien au monde et au et un lien qui se passe dans la quiétude, quoi. Pour le coup, ça va le pousser aussi à partir aussi à vivre sa vie. Donc il va être étudiant, on va le suivre. Il va partir des forêts, il va partir étudier dans la grande ville justement. Il va oublier. Il va mettre de côté Augustine pour vivre aussi sa vie de jeune homme. Il va s'étourdir de fêtes, d'alcool, d'amis. Il va rencontrer des êtres qui vont l'aimer aussi et qu'il va aimer aussi. Et donc voilà, le lecteur ne voit pas du tout la chose arriver là pour le coup. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais arrivé page 40 ou 30, je me demandais bien ce que tu allais faire parce que. Je me dis, bon, ben voilà, il est étudiant, et qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Parce qu'il reste quand même un paquet de pages. Et en se disant, comment elle va se sortir d'une histoire familiale un peu linéaire. D'où l'intérêt, je pense, vraiment, d'avoir mis à ce moment-là cette espèce de rupture, quoi, de choc complètement, pour montrer qu'on change d'histoire, mais Corentin est toujours central, et je voulais qu'on s'attache à lui avant. Et la super trouvaille, c'est de passer sous la terre à ce moment-là. C'est d'être et donc ce passage, parce qu'il aime être avec ses amis, donc dans les catacombes, on imagine, de Paris, une grande ville. Et donc justement, c'est ces catacombes-là qui vont le protéger au départ, qui vont les protéger. Ils sont une douzaine, je crois, au départ. Et ils entendent un énorme bruit, peut-être qu'on va entendre aussi. Ils entendent un énorme bruit, et c'est ça qui va tout faire basculer. Est-ce qu'on peut lire justement un petit passage à ce moment-là? Oui, si c'est toi qui lis, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. J'ai demandé à Sandrine, mais elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Non, elle écrit, elle ne lit pas. Ce fut la fin du monde, et ils n'en surent rien. Engloutis dans la terre, engloutis dans l'alcool et les rêves. Ils avaient tant bu, tant absorbé, tant bataillé pour les pensées à dire et à défendre. Ils étaient descendus sous le macadam et sous les voitures, les bras chargés de provisions, la migraine tapant déjà aux tempes, et ils s'en réjouissaient à l'avance. Perdre leurs repères, s'enfoncer, se laisser couler, ils reviendraient pleins d'hallucinations et pleins de poésie, pleins de mélancolie, ou ils ne reviendraient pas.
Il le disait en riant chaque fois au moment de se les glisser à l'intérieur et de sentir les ténèbres les prendre à bras le corps. Il le disait par provocation ou par ces sortes de superstitions qu'il méprisait, mais qui se tenaient chevillées au fond de leurs âmes. Leur fête. Il murmurait ce mot en tremblant de joie. Leur fête les sauvait en même temps qu'elle les éloignait du monde. Mais le monde, il n'en voulait pas. Il n'avait pas imaginé un seul instant que ce serait lui qui ne voudrait plus d'eux. Eux, protégés par la terre, enfouis comme des bêtes. Et ce n'est pas vrai qu'ils n'en surent rien. Ils n'apprendraient jamais la vérité sur ce qui s'était passé. Et ce n'est pas vrai qu'ils n'entendirent rien. Il y eut cet étrange bruit de fond, une clameur qui leur venait comme assourdie. Mais ils crurent que c'est dans leur tête, c'est dans leur brume. Et puis il y eut le grondement. Alors, observant les plafonds qui tanguaient, ils se mirent debout. L'obscurité vacillait. Puis ils le sentirent, le tremblement de terre. Pensèrent-ils, car ce n'en était pas un. Ce n'était pas que cela, c'était bien plus grand, quelque chose de total. Voilà, ça commence avec cette scène, et c'est là où on va être dans la deuxième partie de ce roman, qui aura un autre revirement. Et donc, cette chose, tu la nommes pas vraiment là, tu dis le tremblement de terre, mais comme dans Juste après la vague, il n'y a pas vraiment de mots, parce que c'est une sidération aussi, c'est le rien qui va succéder à la vie. Oui, je pense, c'est aussi... Je ne voulais pas qu'on puisse rentrer justement dans les considérations scientifiques d'une fin du monde, par exemple. Et qu'on me dise, oui, mais si c'est nucléaire, ça aurait fait ça là, mais à 400 km, tatata, etc. Si c'était une météorite, patata, et, bon, etc. Et je me suis dit, non, je veux qu'on prenne les choses telles qu'elles doivent être à ce moment-là, c'est-à-dire le néant. Sans expliquer ce que c'était, il faut que le lecteur adhère au fait que quand il ressort des catacombes, il n'y a plus rien, tout est brûlé. Voilà, parce que l'important, en fait, c'est pas l'événement qui fait que c'est un monde de cendres qui redécouvre à ce moment-là. L'important, c'est ce qui se passe après, c'est ce qu'ils vont en faire, c'est qu'on suive un personnage, qu'on se pose la question de savoir quand on est seul au monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça valait le coup de survivre ? Et là aussi, il va être seul de façon... De nouveau, il va être abandonné par le monde, mais en même temps, il va y avoir un compagnon. Et ça, c'est très beau aussi ce que tu décris. C'est un être qui dans tes romans, c'est très important, le chien. L'animal, en fait, de façon générale, hein, puisque c'est vrai que la nature ne va pas sans animaux. Tu élèves des chevaux dans le Morvan. On voit ton amour des chevaux dans Il reste la poussière ou dans d'autres livres. Mais c'est vrai que là, c'est un chien. Pourquoi avoir fait de ce chiot au début, ce chiot aveugle en plus, un compagnon idéal pour Corentin? Idéal, oui. Je ne sais pas, en fait, c'était... Une rencontre, du moins. Oui, mais ce qui n'était pas évident au départ. Oui, au départ, oui, c'est sûr. Oui, c'était un fardeau. Ça commence mal au départ. Un fardeau au départ, oui, effectivement. C'est dans ce monde dévasté. Mais je crois que c'est parce que je mets volontairement de côté une ou deux petites choses, minuscules choses, mais c'est le premier être vivant qui va croiser après cette catastrophe. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas... En fait, j'essaye de me mettre à sa place. Je ne sais pas si... imaginez que vous... Voilà, qu'on se réveille un matin, qu'il n'y ait plus rien, et qu'il n'y ait plus rien autour de soi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les gens qu'on aime. Et peut-être qu'il y en a beaucoup plus loin, parce qu'on imagine toujours qu'une catastrophe s'est produite autour de soi, mais qu'ailleurs, il reste quelque chose, ce qui est à voir. Être absolument seul au monde, avec plus de couleurs, plus de bruit notamment, plus de son. Enfin, il faut imaginer un son, le seul son qu'on entende... C'est le bourdonnement des oreilles ou quand vous marchez, le bruit de vos pas et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moteur de voiture, mais il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Et je me dis, ce chiot, alors effectivement, au départ, il est moche. Il a survécu lui aussi, protégé par sa mère, mais il est abîmé, il est blessé, il est aveugle. Et donc, quand il le ramasse, il faut qu'il le porte dans les bras finalement. Parce que le chiot se perd, le chiot tombe, le chiot, etc. Mais c'est ce qui commence à créer leur relation, c'est-à-dire qu'il le met sur son dos, puis le chiot a les deux pattes là, comme ils font de temps en temps, avec le museau ici. Et puis il avance vers les forêts avec l'aveugle, il va l'appeler comme ça, hein, l'aveugle, sur le dos.
Et c'était la façon de dire comment, dans ces moments de dénuement le plus complet, on est prêt à se raccrocher à la moindre petite étincelle de vie. Et ça, ça va être son étincelle de vie. Et puis bon, par ailleurs, il a un rôle tout au long du livre. Oui, on ne va pas dévoiler, bien entendu. Non, mais il est là tout le temps. Oui, il est là tout le temps. Mais c'est cette constante aussi chez toi, c'est l'animalité. Mmh. Aussi, c'est ça qui t'intéresse. Le précédent roman qui est sorti en livre de poche, là, c'est Animal, justement. Mmh. Qui est un voyage extraordinaire dans les forêts à la fois du Népal, dans les montagnes du Kamchatka, donc à des milliers de kilomètres que tu ne connais pas puisque mais c'est vrai que tu nous fais voir à chaque fois, et c'est le terme voir et compatir en effet au dessin de tes personnages. On part avec toi, on part avec lui, on part avec Corentin, on part avec Lior, on part et cette rencontre avec l'animalité, elle est constante aussi dans tous tes romans. C'est la part sauvage aussi en nous. Oui, c'est la part sauvage et c'est la belle part. Je sais pas comment dire. C'est l'animalité, pour moi, c'est un paradoxe. C'est à la fois ce qu'on peut avoir de pire, c'est-à-dire quand on est rendu à l'instinct, à la sauvagerie, à l'instinct de conservation, point, quoi, etc. Et à la fois, je me dis, c'est l'animalité dans ce sens-là, du coup. Je pense que c'est ce qui fait que on n'est pas différent, que l'homme n'est plus différent d'un animal, puisqu'il partage juste les mêmes choses. Donc c'est ce qui fait que l'homme n'est plus un homme. Et j'allais dire en même temps, mais il faut plus le dire. par ailleurs, mais de la même façon. Je crois aussi que l'animalité, dans ces moments-là, c'est finalement ce qui va nous permettre de nous en sortir. Donc c'est aussi la plus grande force qu'on ait au fond de nous, c'est-à-dire c'est ce qui reste quand on pense que tout le reste, enfin que tout est foutu. Oui. Et l'animalité, c'est justement, comme je disais, l'instinct de conservation, c'est ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien d'humain. Donc à la fois, c'est quelque chose de très bas, de très instinctif, de très primaire, et je trouve aussi que c'est quelque chose qui permet qu'on se dépasse complètement alors qu'on n'avait pas idée de ce dont on est capable. Donc voilà, chez l'homme, ça m'intéresse. Et l'animal même, je le prends, l'animal, oui, au sens propre, je le prends dans son bon sens, c'est-à-dire l'animal dans sa dignité et dans ce qui montre à l'homme de ce qu'on a perdu, de l'instinct, de la naturalité, de la vie, justement, enfin voilà, d'une espèce de vie plus simple, plus saine, plus. Voilà, je caricature un peu, mais. Ça me permet de donner ce regard-là à l'animal, le regard à la fois brut et à la fois d'une simplicité, je dirais biblique, mais bon, pas tout à fait. Mais de. C'est pas de la nostalgie non plus, mais comment dire, par exemple, ça nous est tous arrivé, je pense que ça nous est tous arrivé en rencontrant quelqu'un, d'avoir une première impression très négative, en disant ah, je l'aime pas celui-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et je ne sais pas, au cas où ça vous serait arrivé aussi, il arrive souvent que parce qu'on doit travailler avec, ou parce que c'est un ami ou un ami d'ami, ou un futur gendre, ou une future belle-fille, etc., on fait avec. Et on se dit, ah ben non, finalement, en fait, il est sympa. En fait, et puis on s'en accommode, et puis tout va très bien, pendant un mois, pendant un an, pendant 10 ans. Et il y a toujours un moment où il se passe quelque chose et vous dites, ah, mais je le savais. Oui, mais je l'ai oublié, parce que c'est bien de rationaliser, ça nous permet de vivre ensemble, mais fondamentalement, je pense que ça nous fait passer à côté de plein de choses, et l'animal, justement, me permet de ne pas passer à côté de ça. Quand l'animal a une première impression, il reste là. J'arrête pas de mettre des coups dans le micro, je suis désolée. Il est trop près. Et donc, en fait, cet animal qui va devenir un premier compagnon, puisque après, on pense qu'en effet, il n'y a plus rien. Et en effet, il n'y a plus rien. Il y a tout a fondu. Tout est recouvert d'une sorte de poussière. C'est vrai qu'il reste la poussière. Ça aurait pu être le titre aussi. ou alors les larmes noires sur la terre. Oui, pareil, voilà, c'est vrai que les autres titres de tes romans pourraient servir aussi de sous-titre à celui-là. Et justement, dans ce monde... qu'on dit, en effet, parce qu'on y pense, post-apocalyptique, et en effet, tu mets en exergue l'Apocalypse selon Jean, un extrait où, justement, c'est aussi ce qui se passe dans ton roman. Tu ne tiens pas forcément à en faire un roman
à thèse ou un roman idéologique. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. Non. C'est ça. C'est pour ça que tu passes peut-être par le biais du roman, de la fiction. Oui, et puis par un biais en fait, qui est intime. C'est pas une vision du monde en général et de pourquoi c'est arrivé, et de tout ce qu'on a fait de mal et de tout ce qu'il aurait fallu faire, etc. Parce qu'effectivement, c'est ce qui m'intéresse, c'est un individu ou quelques individus survivants et leurs individualités et comment on survit et comment l'espoir s'amenuise, s'étiole ou reprend ou etc. Mais l'idée, c'était pas de, c'est pas une thèse écologique, effectivement. Parce que bon, je pense que personnellement j'en sais pas assez. Je peux avoir comme tout le monde des opinions en disant oui, c'est pas bien, on pollue. Oui, d'accord. Ça, je suis évidemment d'accord. On met trop de pesticides. Enfin voilà. Mais je connais pas suffisamment pour que ça soit un roman à thèse. Et donc passer par le roman, ça permet alors d'être dans l'air du temps. Malgré tout, mais que ça reste une fiction et que ça soit suffisamment, je dirais, non documenté pour que tout le monde puisse se l'approprier. Si je commence à jargonner, à faire de la collapsologie, etc., ça va être compliqué. Et donc, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est le point de vue intime, donc c'est le point de vue d'un personnage auquel on s'attache. Mais après, si ça permet que pendant tout le livre, à la fin du livre, les lecteurs se disent « Ouh, ça nous pend au nez », c'est bien aussi. Mais les lecteurs, ils sont comme moi, ils sont, si on jamais que le colibri qui essaye de prendre une goutte d'eau pour éteindre le feu d'Australie, c'est dire que c'est pas gagné. Et c'est pas à notre niveau, pas seulement que ça se jouera. Donc je prends mes distances avec la thèse, effectivement. Oui, c'est pour ça que c'est aussi magique, que tes livres sont aussi, plein de cette force, parce que Ton style aussi, ton écriture, enfin, c'est là, est-ce que tu as travaillé particulièrement la langue, puisque justement dire l'indicible, dire ce rien, dire ce qui est cette catastrophe, ce monde désolé, dévasté, est-ce que le style que la langue que tu emploies a été vraiment travaillé dans ce sens-là et dans le sens d'une épure, de quelque chose, de revenir à l'os des choses? Je pense que ça vient tout seul. C'est quand on a construit l'histoire et qu'il se passe aussi peu de choses ou dans un monde aussi vide. En fait, moi, je dirais vraiment, je fais pas un effort, c'est que l'écriture d'elle-même s'ajuste à l'histoire qu'on raconte. Et autant, pour donner vaguement un exemple, dans Il reste la poussière, qui était en Patagonie, il y avait ce cycle des saisons, il y avait les tontes des moutons, il y avait des choses qui revenaient. Et donc, on pouvait avoir une écriture, je crois, un peu ronde, un peu cyclique, un peu longue, etc. Autant là, on est dans un monde où il n'y a plus rien. Et je crois que vraiment, ça se fait tout seul. Hein. Ce n'est pas à ma charge. Ça se fait tout seul. Ce n'est pas du travail. Je crois que spontanément, on sent que ce n'est pas un roman. Alors peut-être que si, mais que ce n'est pas un roman qu'on aurait pu écrire avec des adjectifs, des fioritures et plein de choses comme ça. Il fallait que ça soit taillé à la serpe pour que ça ressemble au monde qu'on décrit. Et pourtant, malgré la noirceur et malgré ce côté apocalyptique, même si on met des guillemets, il y a aussi de la poésie. C'est vrai, la poésie, une poésie noire, mais une poésie très belle avec ces liens que vont se tisser des personnages qui vont se retrouver aussi. Parce qu'en même temps, le récit va basculer une deuxième fois parce que Koranta, à partir de ce rien, il va vouloir faire un retour. Donc un retour en arrière, un peu comme Ulysse. Il va vouloir retourner aux forêts, justement. Oui, oui. Et cette poésie, là aussi, elle emprunte ton écriture. Je voulais savoir si, alors peut-être tu n'es pas de roman post-apocalyptique, mais est-ce que tu es lectrice de poésie? Alors non. Est-ce que tu en écris? Pas du tout non plus. Non, non, non. Ni de polar, ni de poésie. Oui, non, c'est désespérant. Non, le... non, alors la poésie, j'ai beaucoup de mal, vraiment. Le polar, j'en lis un peu, j'ai lu des choses qui sont un peu sur le fil. Alors, j'ai lu La route de McCarthy, évidemment. Oui, on y pense. Oui, 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 il y a un clin d'œil dedans. D'ailleurs, c'est pour assumer le fait que, effectivement, quand Corentin, à un moment, croise au loin une silhouette d'homme et d'enfant avec un caddie qui se cache aussitôt et qu'il va passer sa route, quoi. C'était pour faire un clin d'œil et pour dire aussi de mon point de vue, j'ai lu La route,
Je sais qu'on est sur des thèmes qui sont très très proches et tout, mais voilà, c'est pas le même roman. On regarde pas de la même façon. Dans Sur la route aussi, il y avait pas de, le cataclysme n'était pas nommé non plus. Enfin, non, il y avait pas de... on le prend tel quel, voilà. Et puis visiblement, on arrive dans le cataclysme plusieurs années après, quoi, parce que c'est déjà bien établi et les hommes sont déjà devenus vraiment des sauvages. Alors la route, pour moi, il a une force que j'ai pas, qui est celle du désespoir total. C'est du début à la fin. Et oui, il faut être vraiment fort parce que je sais pas, imaginer écrire un livre entier où tout est noir. Comment on peut ne pas s'empêcher de mettre une petite lumière à un moment et jusqu'au bout. Enfin, s'il y en a qui le lisent, qui l'ont pas lu, mais quasiment jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est noir du début à la fin, c'est mouillé, c'est glauque, c'est gris. Et c'est pour ça, c'est ça que je dis, la poésie en fait, c'est l'espoir que tu mets, c'est l'étincelle de vie. Alors c'est le chiot, mais ça va être aussi d'autres personnages qui vont arriver. C'est ce... Oui, puis la façon d'enfin imaginer que quand tout est brûlé, la seule chose qui reste à faire, c'est de surveiller si quelque chose renaît, même une herbe. Et l'émotion qu'on peut avoir dans un monde complètement gris, le jour où réapparaît une goutte de lumière, une goutte de couleur. En fait, je crois que c'est tout simplement de voir des choses qu'on ne regarde plus parce que ça nous paraît normal. Et l'histoire de Corentin, c'est ça, c'est de revenir... c'est de revenir presque au premier homme et à la première femme et à la création du monde après le chaos. C'est ça. Donc c'est presque un roman utopique finalement, et pas non pas dystopique. C'est presque un roman sur la reconstruction, sur la. Il dit un moment la reviviscence. Enfin, oui, c'est, voilà. Oui, oui, oui. C'est un roman sur la renaissance plus que sur la destruction. Je pense destruction. Vraiment. Voilà. Oui. Donc ça c'est. Soit c'est la force du roman, soit c'est ma faiblesse à moi, hein, c'est de ne pas avoir fait du désespoir jusqu'au bout. Mais la route le fait tellement bien que de toute façon, ça aurait été difficile de se positionner au même niveau. Et donc oui, il y a ça, effectivement, et la poésie, c'est de chercher le moindre indice de ce qui peut renaître ou pas. Oui. Et c'est vrai que c'est une grande force, parce qu'on attend avec Corentin, on est avec lui, on est embarqué avec lui. Véritablement, je disais Ulysse tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on suit son périple. C'est très très long, quoi. Ça s'étire sur des années et des années. Il va cheminer. C'est vrai que on a beaucoup de voilà, on s'identifie. Chacun s'identifie à tout ce qu'il vit, à tout ce qu'il traverse. Et c'est vrai que c'est extrêmement fort et on espère avec lui. En effet, on guette comme lui cet instant de renaissance, quoi, véritablement. Oui, et puis quelle renaissance, puisque c'est qu'une anecdote au milieu, donc je peux peut-être la dire quand même. C'est à un moment, effectivement, il perçoit qu'il y a des choses qui se passent dehors, quand il est dans les forêts, qu'il y a du mouvement autour de lui, etc. Mais au bout de... Mais ce qui est revenu, ce sont les loups. Et voilà, et donc, il y a tout... Vers quoi est-ce que ça revient, finalement ? Est-ce que c'est... finalement, est-ce que la place n'est pas revenue juste à la sauvagerie ? Est-ce que ce qui a pu survivre, c'est pas ce qui est le plus sauvage ? Qu'il y a eu cette force-là, de même qu'on sait que sur les grandes extinctions de la Terre avant la nôtre, celle jusqu'ici... les espèces qui ont survécu sont les espèces les plus petites. Tout ce qui était grand, ça a été éradiqué complètement. Donc, savoir qu'est-ce qui, voilà, s'il y a une chance que ça revienne, qu'est-ce qui revient. J'ai une anecdote pour ceux qui le liront et comprendront après. J'ai repris cette année sous ma maison un petit bout de jardin d'un vieux monsieur qui est mort et qui faisait des pommes de terre. Un champ de pommes de terre à cet endroit-là. Et donc, ça fait 5 ans que le champ est en friche. Et j'ai fait une ligne parce que j'ai planté des fruitiers, parce qu'on ne sait jamais. ça peut servir. Et donc, j'ai fait pas mal de trous pour planter plein de fruitiers. Et en faisant un de ces trous-là, j'ai trouvé 5 petites pommes de terre, comme ça. Ça veut dire qu'elles... Vraiment sous terre. Hein. Ça veut dire qu'elles étaient là depuis 5 ans. Et j'ai trouvé, vous verrez, mais je trouve ça génial de se dire que quelque chose peut être abandonné pendant 5 ans et au bout de 5 ans, ça vit toujours sous la terre et donc il peut rester des choses. Et justement, Corentin, face à la désolation, il ne sait pas si, puisqu'il est loin des forêts, il est loin d'Augustine, il ne sait pas si Augustine a survécu à ce cataclysme, peut-être. Et c'est là où ça va prendre, c'est là, je disais, le deuxième basculement.
Et ça va être un roman, là, pour le coup, un roman de quête. On va le suivre sur des années, ce périple, ce voyage-là, qu'elle nous a mené, où il va revenir à ses racines. Et ça, c'était aussi viscéralement voulu dès le départ, ce côté où il revient à son origine, où il revient à ce lien, à la terre aussi. Oui, oui, complètement. En fait, c'est la question que tu me posais au départ sur les forêts, pour que ce nom, etc. Et je dis au départ que c'est un grand territoire de forêt plutôt hostile, mais magique. Et lui, il a gardé ça en tête. Il était enfant quand il y était, à partir de 4-5 ans jusqu'à ses études. Et je pense que ce qui reste dans sa tête, c'est de se dire, mais ces forêts-là, tout le monde disait qu'elles étaient magiques. Alors, elles étaient aussi maudites, mais elles étaient magiques. Et donc, ces forêts-là, peut-être, elles ont échappé au cataclysme. C'est pour ça qu'il y retourne. C'est parce qu'il pense que là-bas, il y avait la force, que ça soit préservé, que ça soit une illusion ou pas. Voilà, on va rien dire, mais c'est vrai que il veut aussi amener Augustine voir la mer. Il lui a promis ça, et c'est très beau parce que voilà, il veut à tout prix accomplir cette promesse, quoi. Maintenant qu'il n'a plus rien et qu'il n'est promis à peut-être à plus grand chose, voilà, il veut retrouver cette arrière-grand-mère qui était pour lui synonyme d'espoir, et donc il veut retrouver espoir aussi. Mais en effet, là, on va s'arrêter pour l'intrigue, parce qu'il ne faut pas dire, justement. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'intrigue, donc ce n'est pas très grave. Bon, on ne va pas tout raconter, c'est sûr. Non, mais on peut dire des choses. On ne va pas raconter s'il la retrouve, peut-être. On ne peut pas dire s'il la retrouve ou pas, parce que c'est vrai qu'au début, c'est vraiment très, très mal parti. Oui, mais en fait, c'est l'idée, cette quête de l'espoir qu'un peu plus loin chaque jour, ça ira un peu mieux. Et chaque jour, c'est pareil. Donc voilà, c'est jusqu'où on va. Et sachant que quand il n'y a plus rien au monde, que vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas donné un but, il n'y a plus qu'à s'asseoir au bord de la route et attendre que la mort vous prenne. Et donc il faut qu'il garde ce but, même si au bout d'un moment, rationnellement, il se dit qu'il n'y aura plus, il y aura rien non plus là-bas. Mais il faut quand même qu'il y aille. Sinon, effectivement, il mange son chiot, et puis quand il l'aura mangé... Il mourra. Ça se passe pas comme ça, je vous assure. C'est pas... Non, je viens de raconter la fin. C'était la fin. Et cette capacité de résilience, justement, tous tes personnages dans des autres romans aussi, c'est aussi ça. C'est aussi cette capacité à se reconstruire malgré le fait qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien, quoi. Oui. Et ça, c'était donc on a confiance quand on lit, parce que c'est vrai que ça commence mal, mais à chaque fois, voilà, ça tire vers la lumière, vers voilà cette petite lumière qui est au fond de chacun. Et c'est vrai que ce Corentin et sa vie terrible, on sait que quand même il y a une parcelle comme ça d'espérance au fond du gouffre, quoi. C'est ça que tu sais où tu vas mener ton lecteur, où tu sais que tu vas mener ton roman à chaque fois avant. Est-ce que tu sais jusqu'où? Oui. Je travaille comme pas mal d'auteurs, en fait, quand même, avec une trame. Donc je sais où je vais, même si je peux changer des choses. Mais je voulais dire juste que, effectivement, il y a cette espèce d'espoir. Ce n'est pas sans dégâts. Donc je ne veux pas que les gens ici croient que tout sera sauvé et que tout le monde s'en sortira bien. Non, je tiens à ma réputation. Oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Non, parce qu'elle est en train de me dire que je me ramollis complètement. Mais... Ah non. Mais c'est vrai que bon, il y a encore beaucoup de noirceur, oui. Oui. Mais effectivement, oui, mais justement, là où tu as raison quand même, c'est je me suis rendu compte par rapport au premier livre, notamment Des nœuds d'acier, un vent de cendre, qui était, je pense, uniformément noir. Oui. Parce que j'avais compris que je faisais du noir. Et donc, je me suis dit, noir, c'est noir. Quoi. Non, il y a le gris aussi. Oui. Mais c'est la fille qui élève des bourrins. Donc, elle dit, on m'a dit noir, c'est noir. Et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, quand on met des tout petits puits de lumière ici et là, le noir ressort d'autant plus. Quand on le met en exergue, je fais du soulage. Oui, c'est ça. Voilà, beaucoup de noir et des toutes petites... Les petits puits de lumière, mais moi, quand j'écris, ça me fait un bien fou, parce que c'est quand même un an. Parce que vous passez quelques heures, quelques jours cumulés. Moi, je passe un an avec ça. Il y a des soirs où c'est pas drôle, la vie. Et donc, ces petits puits de lumière, d'abord, ça me fait un bien fou.
Et puis, je me dis aussi qu'il y a un jeu, hein, forcément, avec le livre et puis un jeu avec le lecteur qui est, tiens, je te donne un petit peu de lumière, mais tu vas voir 12 pages après, c'est mort. voilà, ça fait partie du plaisir d'écriture. C'est vrai. Et puis, c'est pour ça qu'on fait confiance aveuglément à un auteur qu'on aime. On sait que, voilà, on va trouver quelque chose qui, de toute façon, qui nous plaît, quoi que ce soit. Bien ou pas, quoi. Et puis en plus, on suit, voilà, il y a aussi un rythme, une pulsation, quoi. Je disais le travail sur la langue, mais en même temps, tu dis que ça colle au fond à ce que tu veux dire, mais en même temps, on pourrait presque le dire à voix haute, ton livre, quoi. C'est vrai qu'il y a une forme. Est-ce que toi, tu le travailles aussi de façon orale, et puis est-ce qu'il y a une forme de, là aussi, de construction à la fois du récit, à la fois du phrasé? Non, moi je travaille mes livres de façon visuelle. C'est-à-dire que, en fait, quand j'écris, disons tous les soirs, même si c'est pas exactement comme ça, mais et le lendemain, je commence par relire ce que j'ai écrit la veille pour corriger et continuer. Et comme je connais la scène, du coup, ça me permet de la mettre en image, mais je construis un film. Et c'est plutôt ça ma façon de procéder. Et je me demande si en image, c'est émouvant, si ça a de la force, et si dans les quelques rares dialogues, on n'est pas trop décalé. Et c'est l'image qui me fait revenir sur l'écriture pour que tout colle ensemble. Mais je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Je sais pas si parce que spontanément, on voit pas forcément en quoi l'image pourrait aider à écrire. En tout cas, c'est vrai que c'est justement, je vois, très visuel, parce qu'on a à chaque fois l'histoire. Oui, ils sont visuels, de toute façon. Oui. Après, je ne sais pas si le cinéma s'en emparera ou si c'est en cours, mais après, en tout cas, c'est vrai que ce sont des romans qui ont une force à la fois visuelle, mais je tiens à souligner que c'est vrai que avec ce roman-là, tu es encore plus, le style est encore plus épais. Épuré, élagué, comme on dit peut-être de la nature, quoi. C'est vrai, il y a une force aussi qui est portée par le style, quoi, véritablement, quoi. Oui, mais je te dis, c'est très spontané, et c'est le style qui me paraît correspondre au dénuement du livre, et donc d'aller dans le dénuement des mots. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que en écrivant à la fois tout ça et si peu de choses, je disais que d'écrire des choses, des phrases sobres, dépouillées, trop courtes, et pas finies, des mots, ça donnait aussi beaucoup de place à l'imagination du lecteur. Et donc je sais que le lecteur, en même temps, est en train de se faire des images aussi. Et moi, c'est ce qui m'importe vraiment, parce que quand les gens en parlent après, ils me disent « Ah, mais moi, je l'ai vue, cette vallée, avec la vieille Augustine, avec etc. » Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que de se dire qu'avec un livre, on a réussi à créer un monde dans la tête des lecteurs pendant un moment, et que ça ne soit pas juste une suite de mots qu'on oublie dès qu'on a refermé le livre, qu'il reste quelque chose. Et cette dimension aussi à chaque fois de conte, parce que tu es une extraordinaire conteuse, mais en même temps, ce sont des contes. On pense aux les forêts, on pense au petit poussé, on pense à Hansel et Gretel, on pense au thème de l'enfant abandonné, le thème, l'Augustine qui, au début, elle est née crochue, donc on dirait une sorcière. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font penser les loups. En effet, cette atmosphère de conte onirique presque, est-ce qu'elle est aussi volontaire chez toi, ou est-ce que c'est. Ou est-ce que ça vient sous ta plume de façon presque inconsciente? Alors oui, je pense que les deux. À chaque fois. Hein. Oui, ça vient de manière très très inconsciente, parce que culturelle, intégrée, etc. Mais c'est un peu une volonté. Puis je vois que j'en mets plus que ce que je croyais au départ. Moi, je suis vraiment, j'ai été élevée dans les contes, les contes, les légendes. Plein de choses comme ça, et je pense que c'est resté. C'est aussi pour ça, à mon avis, que tous mes romans se passent en pleine nature et pas en ville, notamment quand je faisais du polar. Le lieu par excellence du noir, du polar, c'est la ville. Alors évidemment, j'ai pas de grand meurtrier, mais il y a une raison toute simple à ça, c'est que pour moi, du coup, pour ce qu'on en voit aujourd'hui, ce qu'on en a vu depuis la tempête de 99-2000, etc., la nature est, je pense, le plus grand meurtrier qu'on puisse imaginer.
C'est-à-dire, c'est le seul super meurtrier possible que rien ni personne n'arrêtera. Donc il y a cette fascination là. Et je pense que les contes n'y sont pas pour rien, puisque quand on lit des contes enfants ou quand on vous les raconte, il y a des sorcières, il y a des ogres, il y a des monstres, il y a des trucs comme ça, et ils sont à chaque fois au fond des bois. Donc au fond des bois, il se passe quand même des choses un peu bizarres. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est drôle, c'est... Donc dans le Morvan, c'est la campagne, la vraie campagne, quoi, comme on a pas mal d'endroits en France. Et puis, j'ai des amis qui viennent de temps en temps, des citadins, des Parisiens, quoi. des Parisiens. Surtout quand on était un peu plus jeunes, on dîne dehors, c'est fabuleux, c'est l'été, évidemment, parce que l'hiver, ils ne viennent pas. l'hiver, c'est moche. Et en disant, mais c'est génial. Et quand on avait même 30 ans, on était un peu attardés, 35 ans. Et disant, ah, mais on veut dormir dehors, c'est superbe ce truc, on est bien et compagnie. Pas de problème. Et à partir du moment où il fait nuit noire et que la nuit s'est vraiment installée et qu'il n'y a plus de bruit, c'est-à-dire que vous avez arrêté de rire, de faire du bruit dehors, de bavarder, etc. Et je dirais, le meurtre commence. Et réellement, la campagne, il n'y a pas une nuit qu'on peut passer tranquille sans qu'il y ait un mulot ou n'importe quoi qui se fasse égorger. Et, non, alors ça, oui, ça a l'air drôle comme ça. Mais je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà entendu même une musaraigne se faire attraper par un chat ou un renard ou quoi que ce soit. Ça a une cage thoracique, ce truc. Ça hurle, ça piaille. C'est le silence. Oui, c'est extrêmement douloureux. Et après, vous avez des animaux un peu plus gros qui crient encore plus, comme des lapins. Moi, ça m'est arrivé de voir une chouette coincée sous une espèce d'arbuste pleureur par un renard en dessous. J'ai fini par me lever en pleine nuit parce qu'il y avait des bruits terrifiants, avec une lampe torche, parce que... Pour le coup, oui. C'est pour ça que je le sais, c'est que je suis allée voir. Et en m'approchant, j'ai vu un renard qui détalait parce que je lui ai fait peur. Et sous cet arbuste que j'avais identifié, parce que ça venait de là, de les bruits, il y avait une chouette qui, du coup, est repartie à ce moment-là. Et ça faisait un bruit terrible, mais notamment des lapins, des petits lapins sauvages. Moi, ça m'est arrivé de me lever à la fenêtre et de me dire, mais tue-le. Enfin, qu'on en finisse. Non, mais qu'il arrête de hurler, parce que ça vous prend, c'est terrible. Vous avez l'impression, enfin, c'est... L'envie de meurtre. Ah non, c'est terrifiant. Oui, terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Voilà, alors, c'est tout ça pour dire qu'en général, vers 1h du matin, tout le monde rentre. En disant, bah, c'est bon. Et justement, cette nature, elle n'a jamais fini finalement de te fasciner, quoi. Donc, tu ne pourras jamais faire un autre roman qui soit dans un autre cadre. Mais, peut-être, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais j'ai la tête dure. Et enfin, en fait, c'est un univers qui te correspond, vraiment. Oui, qui me correspond et puis qui m'inspire plein de choses. Alors que la ville m'inspire beaucoup moins de choses, mais je dirais dans Les Larmes Noires, ce qui se passait dans une ville de casse automobile, on était presque dans une ville, déjà on était dans une espèce d'univers métallique, mais ça sera toujours atypique. Merci à vous en tout cas. Oui.